Chakra du plexus solaire, donc jaune, Mani Pura. Mani signifie gemme brillante et Pura signifie l'endroit, lieu, le gemme brillante, cité des joyaux. Situé deux doigts au-dessus du nombril, c'est-à-dire réservoir d'énergie, de pouvoir et de confiance, structuration de l'être, transformation et purification. En huile essentielle et plantes, nous aurons l'anis, le céleri, la cannelle, le cumin, le pamplemousse, hélichryse, genièvre, citron, muguet, guimauve, mélisse, menthe, néroli, mélaleuca, curcuma, bergamote, camomille, romaine, lavande, huile citrique, romarin, valériane, paprika doux, coriandre, vanille, caroube, graines de sésame et réglisse en pierre et cristaux. Vous aurez l'ambre, la citrine, la copale, la calcite dorée, le quartz doré, l'or piment, la pyrite, l'œil de tigre, l'aventurine jaune, fluorite jaune, jade jaune, diamant, topaz doré, perle, cristal de roche et ce sera aussi le mercure. Pour la déesse de ce chakra, Sekhmet, déesse égyptienne du soleil doré qui se lève à l'est, l'aube si vous préférez, donc la direction du plexus solaire. Maat, située dans le même panthéon, déesse de la justice et équité, au panthéon grec, nous serons Artémis et Athéna, l'une des déesses de la chasse, l'autre de la sagesse. La découverte des éléments sur l'équilibre est là pour vous dire que nous sommes des êtres magiques et que nous pouvons tout faire. Donc c'est vraiment le chakra de la luminosité, de nos éléments et de la purification de tout. Le muguet est la fleur du souvenir et mélancolie. Il aidera la canalisation de la sagesse de vos ancêtres qui ont guéri et sont passés à la lumière. Le citron est l'agrume du réveil et de la présence. Il calmera votre système nerveux central tout en énergifiant votre centre de pouvoir. L'hélichryse est un ingrédient anti-âge utilisé dans les produits de soins de peau haut de gamme. C'est un anti-inflammatoire, il diminue les gonflements, irritations et il est très bon pour la cicatrisation. Le genévrier sert à la protection des foyers et contre le vol. Le pamplemousse revigore et rafraîchit. Attention, interdit avec certains médicaments, car il modifie les molécules. Le néroli calme et facilite la manifestation. La mélaleuca est un maître guérisseur, car antibactérien, antimicrobien et antifongique. L'anis aide à la divination et au développement de vos pouvoirs psychiques. Le céleri est protecteur et guérisseur. La cannelle est là pour la prospérité. La guimauve aide à la clairvoyance. La menthe est au top pour la chance et la richesse. La mélisse, elle, est utile pour la magie de réussite et d'amour. Quant au curcuma, c'est l'antioxydant le plus puissant au monde. Le cumin, lui, est protecteur et guérisseur. Très bon pour les énergies créatrices. Le copal vous aidera au changement et purification. La note est le mi. Lorsqu'il est équilibré, la sagesse et les décisions, ainsi que le pouvoir personnel, est inné. On peut dire aussi que ce chakra est appelé aussi à guérir les sages qui partent au combat. Trop actif, quand il s'étend sur la vie des autres, d'où la colère, le besoin de contrôle et de gérer, l'avidité et un manque de compassion ou d'empathie, donc des risques de problèmes digestifs et certains organes internes comme l'appendice, le pancréas, le foie et les reins. Pour l'équilibre, ouvrir son cœur. Amour, compassion, méditer sur l'envoi d'amour et de bonté de votre cœur à tous ceux qui vous entourent. Soyez un phare de l'amour. Le chakra sous-actif manque d'énergie, d'où l'indécision, peu sûr de soi, timide et dans le besoin. Donc, boulimie, parce qu'on a une faible estime de soi, des ulcères, du diabète, problèmes de foie ou rénaux, anorexie. Pour dynamiser, pensez aux choses pour lesquelles vous êtes doué. Créez vos propres affirmations, vos talents.
Il est lié avec la gorge, lombaire, pancréas, nombril. Vous pouvez utiliser les macrobiotiques et le jeûne, qui vous aidera ainsi que la musique rythmique et rapide en occupation. Et la gestion et le commerce et le transport seront aussi de mise. Ce chakra lié au corps astral, le blé et le céréal qui participent au développement cellulaire, les légumes et fruits de couleur jaune sont très favorables à l'amplification photonique du corps. Voilà. Bisous à tous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.